Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 avec le Shao. Voilà. Et nous étions en train d'avancer sur Azazelune afin de de lui montrer qui est le seul et unique et véritable maître du chaos. Peut-être se mettre en magie. Et j'avais pas vu que j'étais en marche forcée. Et pourquoi j'ai de la magie d'ailleurs? J'ai pas de magicien dans mon armée. Donc on sait qu'Azazel, il va venir attaquer la citadelle interdite. Ça c'est sûr. On a Boris qui arrive pour... Est-ce que je pourrais pas lui piquer son armée? May the bear forgive me for sure. Demande d'armée. Ah, je peux pas parce que c'est l'armée du chef de faction. Merde. Et lui? Ah mais non, lui en marche forcée, il arrive à peine jusque là. Bon, on va les laisser attaquer ça. Quoique, Boris... Est-ce que tu peux aller... Pourquoi il peut pas attaquer Erengrad? Ah, c'est marrant ça. Il peut pas attaquer les trucs du chaos. D'accord. C'est noté. Bon, ils vont attaquer de toute façon là-bas. Ah, Itrog, il s'est bien fait défoncer, hein. Eh. Peut-être temps d'arrêter ta guerre avec Wulfric, non? Bon, comme on a rien avec Wulfric, on a rien, hein, je crois. On a juste un pacte de traversée là. C'est pas grave, quand il aura fini avec Trog, on viendra les attaquer. Bah c'est bien, on va pouvoir passer le tour. J'ai des améliorations de bâtiments à faire. On était sur Slaaner. Porte de Nzel. Quoi? Pardon? Quoi? Oh, c'est pas mal ça quand même. Héros de mort. Ouais mais ça j'en ai pas encore. Des chagottes. Parfaite vigueur, ouais. La cavalerie, on avait peut-être dit. Allons vers la cavalerie, un petit peu. Les améliorations de bâtiments à Weijin. Il y a le seigneur qui est là pour faire ça. Est-ce que j'ai envie d'augmenter la croissance tout de suite? Alors qu'à Nangao, je pourrais... faire du pognon. la porte du défi. Oui. Ça oui par contre. Ça je vais l'améliorer parce qu'on est pas loin de Grimgor Rune. Et Grimgor quand il va arriver, va falloir être solide sur les appuis. Hein. Qui es-tu toi? Eh oui, oui. Et tu dois finir ton déplacement en effet. Et là en fait je l'avais pas déplacé. Et tout le plan tombe à l'eau. Ok, bon c'est pas très très grave. Voilà, du mage, du guerrier, tout va bien. Il me reste 5 balles.
Alors, bah les provinces de l'Ouest n'ont plus d'armée. On vient d'avoir la confirmation, donc on va pouvoir avancer et raser. Comme des sacs à merde. Enfin, piller puis raser, je pense. Oui, voilà. Il n'y a absolument aucune chance que j'arrive à faire quelque chose. Il la prend, très bien, ça c'est très intéressant. Ça c'est très très intéressant pour moi. Colonie perdue. Oui. Chasse sauvage, oui. Orion va sortir de sa forêt. Oh, ils sont en train de l'améliorer. C'est con ce qui vous arrive. J'arrive. Le pont des cieux. Pas besoin de la faire. Hein. Ça, ça donne vraiment rien de raser par contre. Ça donne beaucoup d'âme cependant. Vas-y, rase ça. Voilà. Bonjour. Ok. Armure d'acier, ok. Oui. Est-ce que mon ami Lokir... Est-ce qu'il voudrait pas... Alors comment ça s'appelle? Zanshi. Est-ce que tu veux en chier? C'est ça la question. Bien, 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 bien. Il y a juste l'offre. Oui, merci. Merci pour l'argent. J'apprécie. J'apprécie énormément. On va aller raser ça. Hein. Plus on va raser, plus il va s'affaiblir. Hein. Ah oui, non, mais il a plus beaucoup de colonies en fait. Ah oui, non, mais oui, d'accord. Le mec en avait 50, il en a 10. Quoi. D'accord, tout va bien. Toi, tu vas repasser en marche normale. Parce que tu vas te mettre là-dedans. Voilà. Et quand même à moins 1. C'est impressionnant. Ok, ici on a combien? On est à moins 0. D'accord. En termes de recrutement, pas grand-chose. Alors, oui, Azazel va continuer d'avancer pour essayer de retourner ici. Il lui faudra 1, 2 tours, peut-être 3. J'ai le droit à quoi ici? J'aurai le droit à une unité d'aspirant supplémentaire. Maraudeur de Slaanesh. Ah, du guerrier du chaos. Mais attends, eux, je peux les améliorer en guerrier du chaos de toute façon. Tous les deux. Non, je peux en améliorer qu'une seule en guerrier du chaos. D'accord, donc celle-là. Je peux les virer. Leur botter le cul pour toi. Non, c'est ça. Tu prends des guerriers du chaos supplémentaires. Voilà. Alors la question, c'est est-ce que je les transforme en guerriers du chaos de corne? Quoique Zench, j'aurai la barrière. Il a quoi là-dedans? De l'élu quand même. Des guerriers du chaos armes lourdes, des guerriers du chaos. Des maraudeurs à armes lourdes. Ouais, après c'est du maraudeur. Du char. Azazel a quoi? Il a du char. Il a des enfants. De la cave. Attends. Un truc que je voudrais voir. Guerrier du chaos Halbard de corne. Par rapport au guerrier du chaos normal à Halbard. Ils ont plus de défense en mêlée, mais ils ont moins d'armure. En armure, perce armure anti-large, défense contre les unités larges.
En armure, perce armure, anti-large, frénésie. Ils ont pas la défense contre les unités larges. Je pense qu'on va les transformer en guerriers du chaos à hallebarde normal. Est-ce que je les transforme en enfants de corne? Ces déchus-là, je les transforme en déchus normaux? Ah non, je peux pas, parce qu'il faut qu'ils soient en 4. On va en avant. Ah, ça clignote, c'est marrant. Victoire à la Pyrrhus, nous dit-on. On perdrait un troll et mes déchus. Et un déchu de corne. Alors, comme j'ai un peu le temps, je vais préparer ça. Et de toute façon, il peut pas... Et voir ce que eux ils vont faire. Ok, là ça va attaquer. Ce qui est chiant, c'est que Azazel a deux armées. Que moi, je n'en ai pas deux. C'est embêtant. Plus d'argent! Alors, allez niveau 4. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'intéressant? Du géant. Du chevalier du chaos. Ah, ça peut être intéressant quand même. On va aller chercher les cavaliers du chaos. C'est à combien? 5. Donc je vais pas le construire. Parce que ça avance relativement vite. On va aller chercher ça également. Les chevaliers du chaos ici, ça peut être pas mal. Il me faudrait le truc des guerriers du chaos également. Les Tsengor, on peut les améliorer? Non. Peut-être j'ai... Pas du tout les améliorer. Par contre, là, je pourrais changer mes guerriers du chaos. Pas encore en élu, cependant. Ah, je peux les mettre en chevalier du chaos, par contre. Ça peut devenir intéressant. Parce que eux vont bientôt pouvoir passer en guerrier du chaos. Et des chevaliers du chaos de corne. Ça peut être intéressant, ça, hein. Mais j'aurais plus d'anti-large. Et eux... Guerrier du chaos de Slaanesh Aknout. Qui sont juste intuables. Sont juste intuables les guerriers du chaos de Slaanesh Aknout. Hein. Cherchez pas. Ok. J'ai encore des chiens quoi. Tu peux recruter quoi? Mordor. Parce que les chiens c'est pas... Voilà. Bon. On avance un petit peu. Alors. Au niveau... World. Azazel. Je lui prends sa capitale et je fais la paix avec lui. Alors pourquoi faire la paix avec lui? Je viens de voir que les fécondés sont en train de mourir. Et on veut les vassalis, on veut les confédérer. On verra bien ce qui se passe ici. Il est en guerre contre qui C'est pas le bon. Excuse-moi, tu ressembles pas à Festus. Contre l'Empire et la cour de Givre. Ouais.
Ça risque de partir très vite, hein. Et là, on sait pas du tout qui est-ce qui est. Mais je prends la tour de crack et je crois que je fais la paix avec Azazel. Parce qu'en même temps, je vais lui récupérer son vassal, normalement. À moins que ça, ce soit les mêmes. Là, il va proposer la paix. Mais non. Parce que j'ai peur que Festus ne meure. Non, les unités, c'est important pour... Attends, tu vas venir m'aider toi? Mise à sac 13 000, j'ai envie. Hein. Ça donne envie. Hein. Et là, je perds les... Rejetons du chaos. Il est où? On le voit pas encore. Ouais, normalement, je lui vole son vassal. En théorie. Ouais, j'entends attendre encore un tour. Alors, est-ce que tu peux te mettre en mode raid? Tu te reconstitues pas en mode raid, hein. J'ai une blague à faire. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de la dire? Au moins, il est pas constipé. La bohème, la bohème. Pardon. C'était, cette blague était déplacée, peut-être. Mais vous le savez, vous le savez, vous le savez. Le AK ne fait que des blagues de merde. C'est le cas de le dire. Are you a god? Oui, je suis un dieu, oui. Ready. On est à quoi, combien au niveau de l'ordre public ici? Plus 1. Ouais, mais le plus 1. Ouais, j'ai à cause de la corruption Skaven, quoi. Falloir s'en occuper de cette corruption Skaven à un moment. Leur casser la bouche. Ah, mais il y a encore une forteresse, non, ici? Shangyang, c'est à moi ça. Je suis pas parti du bon côté. Elle, c'est qui? Elle est amie à qui? À personne. Et elle a 8 colonies. On va pas l'emmerder tout de suite alors. D'accord. Ma petite capitale. Je ne peux rien construire ici. Plus d'argent. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Seigneur en garnison non déplacé. Mais lui, c'est normal. Lui, il va pas se déplacer tout de suite. Province de l'Ouest essaye de remonter une armée. Certainement à Shangyang, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux, Jackie? Une alliance défensive? Non. Pas pour le moment. Il faut que j'aille éclater Festus très vite. Pour pouvoir le confédérer. Sinon, j'ai peur qu'il disparaisse. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Ok. Seigneur de la rivière de l'Est. Moi, je suis le seigneur de la fin des temps. Voilà. Mais okay, écoute, chacun son truc, grand-mère. Allez hop, ça dégage. Oui, on reste.
Now. Alors. Encore plus de défense en mêlée pour Archaon. Mais c'est qui elle? Elle a deux colonies. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Ça n'est même pas de m'attaquer, hein, grand-mère. Parce que alors là, ça va mal se passer pour toi. Allez. J'ai un petit peu d'argent. Festus. On a une grosse alerte rouge sur Festus. Bon, al... D'accord, il est là. Do not touch the damned. Hop. On occupe et vassalise. Voilà. Ok. Comment tu t'entends avec... Ah, il s'entend pas du tout avec Wulfric. Il lui reste combien de colonies à Azazel? 3. Ouais. Attends. Je vais faire... Your life is so trivial. Je vais faire une paix avec Azazel. Au pire, il se fait déclarer la guerre par Wulfric. Mais moi, j'aurai ces villes-là à détruire. Donc tout va bien. Et au final, j'y gagne au change parce qu'il a récupéré un truc de merde et que moi, elle est un petit peu développée. Alors, donc on a du guerrier du chaos, on a de l'argent, on a de la croissance et on a du... Bah, du chevalier du chaos, maître. Mais écoute, ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, on a du recrutement. On a les petits chevaliers du chaos, là. Est-ce que je verrai pas la Manticore? Parce que dans son armée, il y a zéro mobilité. Il y a peut-être un peu trop d'aspirants champions, également. J'ai beaucoup de trolls. J'ai quand même pas mal... J'ai quand même, je crois, un peu trop de trolls. Tempest incarnate. De toute façon, maintenant, c'est Festus direct. Donc il faut que je vérifie. Faut que je surveille Azazel. Ici, est-ce que Village est revenu? Village est revenu? Tu vas venir, Village. Village revient. Ça? Taux de reconstitution pour les déchus, les rejetons et les mutalites. Ah ouais. Parangon du changement. Tu vas faire ça. Alors. Qu'est-ce qu'on va te donner dans ton armée? Ça, on va lui commencer à lui monter son armée quand même. Voilà. Alors. Tommen, get me to a warmer place. On va peut-être faire ça quand même. Et toi, il te manque deux unités. Alors, j'ai pas de ligne. Alors, j'ai envie de dire un truc, c'est qu'on va faire de la ligne. Mais de la ligne avec du maraudeur, c'est pas vraiment de la ligne. Mais ça se transforme en guerrier. Ça va se transformer en guerrier du chaos à Knut. Et il faut absolument qu'on parte très très vite. Juste pour voir si tu passes par la mer. Alors. Tu viens jusqu'ici. 1, 2, 3,
4, 5 tours, 6 tours. Si tu passes par la mer, 1, 2, 3 tours. Un tour pour débarquer, et ouais, 4, 5 tours. Ouais, ouais, c'est à peu près pareil. Malheureusement, je pense. Mais l'Empire avance bien sur Festus, et Festus, il est pas bien. Il va falloir aller aider Festus en le tuant. Malheureusement. On va le tuer pour qu'il revienne plus vite. Mais... Seigneur en garnison, oui. Amélioration à la plaine de... Oui, le pognon. Un ordre est disponible, oui. Corruption du chaos universel. Ah, j'ai oublié de le bouger. Lui. Distraction for all. Alors. Bon. On doit intervenir tout de suite chez Festus. Pour le confédérer. Lisou, c'est où? Oulo, c'est loin. C'est très loin. C'est trop loin. Ah, elle a été chercher ça. Bah écoute, si ça t'amuse. Si ça t'amuse. Tac, tac, tac. Ah, y a vraiment rien. Pas de corruption. Hein. Y a pas de corruption. C'est dur sans corruption, c'est dur! Ah! Ça, par contre, ça commence à m'intéresser que tu puisses faire ça. Ah merde! C'était sans compter avec elle. Ça peut être une bonne chose. Ça peut être une très bonne chose parce que là, elle va aller attaquer ça. Elle va la prendre. Et donc Village, il peut aller là-bas. En faisant... en se reconstituant une armée. Rien ne l'empêche. Pourquoi tu pouvais pas passer là? Tu me dis que c'est plus rapide par là. Bah écoute, si tu le dis. Mon petit Village. Vous voyez ce que je vais faire? Parce que elle va aller chercher Rengrad. Et moi, je vais aller chercher la citadelle interdite et je vais confédérer mon pote. Et là, plot twist. Les hôtels de guerre du cœur, on s'en fout un peu. Oh, c'est pas mal. Et là, plot twist, Azazel se fait tuer ce tour-ci. Et là, tous mes plans tombent à l'eau. Parce que Wulfric l'attaque. Oh, quoique c'est l'armée de Wulfric est pas... Ouais. Quand même. Bon, il la prendrait très facilement. Il va peut-être pas l'attaquer. Je pense qu'il va aller... Ouais, non, il va à l'Orelorn. Il va là-bas. Très bien. On ne peut pas encore les faire du commerce avec ces gens. De toute façon, moi et Rengrad, au pire, au prochain tour, j'y suis. Et Katarina. Ouais, bah lié aussi, évidemment. Évidemment, ça me ferait un peu chier qu'Azazel meure ce tour-ci. Je dois bien vous l'avouer, parce que... Une province de l'Ouest, on refait une armée.
S'il lui reste qu'une ville, j'en profite avec Village. Non. S'il lui reste qu'une seule ville à Azazel, j'en profite direct avec Village. Pour l'attaquer. C'est pas loin. C'est là quelque part. La tsarine se replie parce qu'elle voit Azazel arriver. Très bien. Moi, pour le moment, avec mon petit village, je vais par là. Hop, on va avancer, nous. Pour le moment, on est en guerre avec personne ici. Ok. Mais l'Empire, même pas du tout. Donc il va peut-être m'attaquer. Peut-être, possiblement. Mais là, il a pas d'armée à portée. Donc après, nous, on peut passer en marche normale. Au pire. Mon petit village. On gagne de l'argent, c'est toujours très bien. Voilà, donc pour le moment. Pardon ? Les mecs vont traverser le monde entier. Ok, toi tu vas à Shangyang. Il faut que je prenne des grosses villes. Parce que sinon elle voudra pas me la donner, Shangyang. Là, le pont des cieux. Hop, on va la raser aussi celle-là. Voilà. On avance, c'est important. Oui. Il a combien de colonies maintenant ? You have brought death upon yours. 9. Alors, petite question par contre, c'est qui ? Ah, c'est Miao Ying. Directement. The Bastion requires it. You caught death by meeting me. Sure. 84, j'ai 69. Ah là 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 là, parce que lui pourrait y aller. Ah non, même pas. Elle peut pas y aller ce tour-ci. Elle va y arriver avant moi de toute façon. Bon après si on n'a pas toutes les forteresses noires, c'est pas non plus la fin de l'univers. Hein. Ça par contre ça m'intéresse. Ça m'intéresse énormément ça. Voilà. Oui dans 11 tours. Tant que je fasse l'argent de toute façon, ça va... Prague, de toute façon, ça va être pris aussi. Ah, elle vient d'être attaquée, Prague. T'es en guerre contre qui, toi? Les fécondés Azazel, clan Mulder. Ah oui, c'est le clan Mulder qui a dû... La Tsarine, j'ai pas trop envie d'aller emmerder tout de suite. Ouf. Alors, pour le coup, là, elle a zéro ligne. Mais, ouf. Ouf. La Légion du Griffon... Ouais, ouais. Les gens du Griffon quoi. Alors, Azazel, qu'est-ce que ça donne? Et je m'en fous de casser le pacte avec Azazel. Hein. Sachez-le. Le croc de l'hiver est attaqué par le Talabek Land. Ils sont où ces cons? Ils sont là. Oui. T'as pas d'armée, mec? T'as vu où je suis? Armure du chaos, oui. Azazel est pas content. Ah, par contre, il a plus d'armée. Enfin, ses armées sont faibles. Witness the power of village. Ok.
Mon petit village, un petit guerrier du chaos supplémentaire, oui. Oui, il est un peu slanéchisé, mais c'est pas très grave ça. Alors. Oh, mais c'est un peu le bordel chez l'Empire. Alors. Il lui reste combien de villes? 3 villes. 1, 2. Je vois pas où est la troisième par contre. D'accord, ils ont une ville là-bas, le Talabekland. Ok. 1, 2. Et je vois pas la troisième. Alors. Il a son armée dedans. Très bien. Ordérin va passer niveau 5. Très bien. Absolutely not. Ok, le Talabekland est là avec une armée de caca dessinée. Mais elle est où la dernière ville de Festus? By wondrous contagions, our precursors to life. Essaye de voir avec les couleurs. Hein. Peut-être dans le Mindenland. Je le saurais si je fais une alliance avec lui, mais bon, peut-être pas quoi. On peut lui casser la gueule. Pour le confédéré, évidemment. Corruption plus 2. Ouais. Ouais, elle va aller à Shenyang. Hein. Et ça vaut toujours 80, c'est ça? Ouais, c'est 72. Tant pis. Alors, mon petit Archaon. Après, c'est que des petites colonies, ça. Donc, est-ce que je ferais pas mieux de me mettre en pillage, en vrai? Et après, il y aura Shang-Wu. Ouais, désolé, hein, tu fais un peu défoncer là. Tu te fais enfoncer, mon ami. Ok. Des âmes, j'en ai plein. Et on peut pas faire des dons supplémentaires là? Non, tous les dons sont occupés. D'accord. Village. Bow to me. Prochain tour, tu peux être là. Alors, bon, il va falloir qu'on réfléchisse à qui sont les prochains. Parce que là, on va avoir les fécondés, qu'on va éclater. Là, je suis plus fort que le Reichland, ça me fait plaisir. Ok, rase la ville. Qui attaque les Marchemondes? Votre allié déclare la guerre aux Marchemondes? Non, bah alors là, je refuse. Donc je suis plus allié... Faction détruite, ah. Voilà, je suis plus allié avec lui. Et je crois que je deviens faible. Voilà, je suis en basse. Donc ça risque de poser des problèmes. Mais c'est pas très très grave. Festus est en dehors de sa ville. Alors, bah écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en pillage et on va venir ici. Ouais, il va pas venir me chercher. Il sait qu'il a zéro chance. Quoique lui va peut-être venir. Il a zéro chance. Puis on peut toujours s'enfuir. Alors, Carlito est là. D'accord. Donc il a toujours 3 villes ou il en a plus que 2? Il a toujours 3 villes. Ouais,
Lui, il en a deux aussi. Après, en vrai, je fais une attaque éclair. Azazel, c'est ok. Il a quoi dans son armée, Azazel? Ça tient, ça, hein, contre son armée. Azazel. Et lui, il peut pas venir aider. Et de toute façon, on est en basse. Et si je lui lave son armée à Azazel, il est mort. Magic and Mistral are mine. The Twisted Twin. Ah oui, mais le clan Mulder va venir. C'est quoi le clan Mulder? Pas sûr qu'il vienne, hein. Non plus. Talk fast, fast. I'm so hungry. So hungry. Cannot focus. It brings... On va tester ça. On va tester ça. On va tester ça. Spread ruin on them. A glorifying act. Ouais, ça monte un peu plus. Alors pourquoi? Oui, parce que j'ai beaucoup de personnages. Ouais, donc l'armée elle doit rester là, c'est ça qui est chiant. Donc j'entretiens une armée à rien faire. Snitch il a combien de colonies? 11. Mistake. Last mistake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neuf, dix, onze. Je les ai. Ok, j'ai ces 11 colonies. Ah ouais, ça c'est pareil, une attaque éclair sur Snitch. On lui prend 12 colonies avant qu'il ait le temps de faire quelque chose. I have plotted your demise in a thousand ways. Je peux même pas aller lui demander, Chang Yang. Parce que j'ai pas de colonies à côté. Ok, mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.